Carnet Rose. En couple depuis 2021, Rihanna et A$AP Rocky viennent d'accueillir leur deuxième enfant. Ils sont déjà parents d'un petit garçon né en mai 2022. Heureuse période, la famille s'agrandit à nouveau. Le monde entier a découvert que Rihanna était enceinte de son deuxième enfant en février 2023, le soir de la finale du Super Bowl, alors qu'elle dévoilait son répertoire incroyable lors du halftime show de mi-temps. En même temps qu'elle révélait son ventre déjà bien rond. Quelques mois plus tard, la nouvelle tombe enfin, dévoilée par le site TMZ puis par People Magazine, elle vient d'accueillir, le 3 août, avec son compagnon A$AP Rocky, un adorable bébé. En attendant l'officialisation de la nouvelle par les principaux intéressés, envoyons toutes nos félicitations aux heureux parents, mais aussi aux grands frères, nés peu de temps avant le 13 mai 2022. Il s'agirait d'un garçon et le prénom est encore secret mais il débute par un R, selon les sources de TMZ. Elle aurait pu conserver le secret encore plus longtemps. Après tout, Rihanna est une savante petite cachotière. Sa première grossesse, elle ne l'avait évoquée que sur le tard, à l'aide d'un photoshoot professionnel mettant en lumière son baby bump dans les rues de New York. Le prénom de son premier enfant est même devenu public après plusieurs longs mois d'attente. L'artiste avait bien égrené quelques indices. Elle était apparue, avec son fils dans les bras, portant un t-shirt du groupe culte de rap Wu-Tang Clan. Or, elle a baptisé son garçon RZA, comme le leader de cette fameuse formation musicale pluie de looks pour Rihanna enceinte. Rihanna a fêté ses 35 ans en février dernier. Elle est en couple avec A$AP Rocky, 34 ans, Rocky Mattel Aston Myers de son vrai nom, officiellement depuis l'année 2021. Si est son compagnon qui avait confirmé leur amour lors d'une interview accordée au magazine GQ. Enceinte, l'artiste originaire de la Barbade est vite devenue un modèle pour toutes les femmes qui attendent un enfant. Décidant d'assumer ses formes, de les mettre en valeur et de rester sexy tout en portant la vie, l'interprète de Rude Boy ne cesse jamais privé de rien. Et surtout pas de fun. En juin dernier, elle assistait carrément au défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, aux côtés de Beyoncé et de Jay-Z, sur le Pont Neuf de Paris. Un sacré voyage, en l'honneur de la mode.